Salut les champions, bienvenue sur cette vidéo qui portera aujourd'hui sur une chose qui nous entoure 24 heures sur 24, à savoir l'air. Une des premières tentatives réussies pour déterminer la composition de l'air date du XVIIIe siècle avec le chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier, à qui nous devons la célèbre phrase « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». En effet, en 1776, alors qu'il a 33 ans, il arrive à décomposer l'air qui nous entoure en deux gaz différents. En faisant bouillir du mercure, il arrive à oxyder ce mercure, il obtient de l'oxyde de mercure, c'est-à-dire des petites parcelles rouges, et il se rend compte que dans la cloche, le volume d'air va diminuer. Il arrive à montrer que le gaz qui disparaît est du dioxygène, qu'il appelle à l'époque air vital, puisque lorsqu'il place des animaux dans la cloche, lorsque le volume a diminué, il se rend compte qu'il décède rapidement. En chauffant ensuite l'oxyde de mercure, il arrive à récupérer le dioxygène et montre que le dioxygène est revenu en faisant brûler une bougie dans cette cloche puisque la flamme va être avivée. Alors, en mesurant les variations de volume lors de son expérience, il est capable de déterminer que l'air contient 16% de dioxygène, qu'il appelle alors air vital, et donc 84% de diazote, qui à l'époque s'appelle l'air nitreux. Et nous sommes aujourd'hui 240 ans plus tard, et les travaux de Lavoisier n'étaient pas éloignés des proportions que l'on est capable de mesurer actuellement, puisque la composition de l'air telle qu'on la connaît actuellement est la suivante. Un petit peu moins de 21% de dioxygène, un petit peu moins d'1% d'argon, 78,09% de diazote et environ 0,035 de dioxyde de carbone. Alors, il y reste encore quelques traces d'autres gaz qui sont présents en petite quantité. Alors, parmi ces gaz, le seul gaz qui est nécessaire à la vie est le dioxygène. Ces gaz, il est capable pour certains de les mettre en évidence, c'est-à-dire de montrer qu'ils sont présents. Et nous allons voir dans un premier temps comment on va pouvoir mettre en évidence le dioxygène. Et pour montrer la présence de dioxygène, il suffit de voir quel est l'effet de ce gaz sur une incandescence. Ici, on va plonger un morceau de charbon incandescent dans un bocal rempli de dioxygène et on remarque que l'incandescence est ravivée, c'est-à-dire que d'une incandescence qui était faible, on obtient un morceau qui est relativement incandescent. Il est aussi possible de montrer la présence de dioxyde de carbone. Pour cela, on utilise l'eau de chaux puisqu'elle présente la particularité de se troubler en sa présence. Ici, on voit que on place de l'eau de chaux dans un bocal rempli de dioxyde de carbone et cette eau de chaux va se troubler. J'espère que cette vidéo aura été claire. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, poster des commentaires ou poser des questions et vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt !